Mes chers amis, et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de la partie 2 de Medium. Vous me l'aviez demandé, vous l'avez désiré, la voilà, elle est là, elle arrive. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Écoutez, je vous avais prévu plusieurs vidéos depuis le début de la semaine. Alors, je ne vous cache pas que la semaine dernière, on s'est tellement fait éclater en service. C'est simple, que ce soit le midi et le soir, on a quasiment fait complet à chaque fois tous les jours. Et alors, le dimanche de la fête des mères, j'en pouvais plus. J'étais cuit aux petits oignons, je vous promets. C'était pas possible. Je suis rentré, on aurait dit, mais... même pas quelqu'un de 90 ans, on aurait dit que j'avais 140 ans, que j'avais de l'arthrose très avancée dans les jambes, je marchais plus, j'avais mal de partout, c'était horrible. Et du coup, le lundi, franchement, j'étais dans un état, je me voyais pas faire des vidéos, j'avais ni l'énergie, ni rien du tout, donc je me suis dit, laisse faire, on verra. Surtout que cette semaine, ça devrait être peut-être un peu plus tranquille, il n'y a pas de fête particulière, ils annoncent de la pluie, donc il est fort probable qu'on fasse des services peut-être un peu tranquille, donc j'aurai mieux le temps de vous faire des vidéos. Surtout que j'avais commencé à vous faire une vidéo et en fait au moment de la montée, je réalise qu'il manque la moitié de la vidéo. C'est-à-dire que j'ai parlé dans le vide. En fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra pour enregistrer la vidéo. Ce qui fait que j'ai parlé pendant une demi-heure dans le vide. Voilà. Je me suis dit que ça devait pas être, je devais pas la faire cette vidéo, donc du coup je vous fais celle-ci. En plus je vous la fais juste avant de partir au travail quand même parce qu'il est 2h20. On va essayer de faire 1h à 1h30 maximum. Je commence à 18h ce soir, donc comme vous pouvez le voir, hein, même avant de travailler, je pense quand même à vous. Bon, on se fera une vidéo tranquille ou je sais pas, un petit live, j'en sais rien quoi, pour papoter tous ensemble. On verra. Honnêtement, je programme plus rien parce qu'à chaque fois que j'essaye de programmer quelque chose, je n'arrive pas à respecter mes délais. Donc, c'est pas la peine. Je vais arrêter de programmer les choses et je vais le faire comme je le faisais avant, c'est-à-dire à la one again. Je fais les choses quand je les fais et puis ça ira très très bien. Hein. Allez, vraiment, j'espère que vous allez bien vous de votre côté. Franchement, vous me manquez. Ça me manque de ne plus publier comme je le faisais. Mais comme vous le savez, avec mon travail, c'est devenu délicat, j'ai un rythme à prendre, je travaille quand même 5 jours sur 7, avec des bonnes journées à chaque fois, et honnêtement, voilà, ça demande du temps, parce que du coup, les deux seuls jours de repos que j'ai, il faut que je jongle entre Cédric, ma famille, mes amis, les vidéos, tout ce que j'ai à faire, me reposer, et faire tout ça en 2 jours, c'est un petit peu chaud l'artichaut quand même, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on va commencer donc notre partie pour Medium. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Donc, Medium, c'est un jeu horrifique. Enfin, horrifique, oui, il est classé comme jeu d'horreur. Donc, c'est un jeu horrifique où l'on incarne une jeune femme avec un talent, un don, un potentiel, une faculté pour se connecter à l'astral et voir ce que l'on ne voit pas. Rappelez-vous, dans le premier épisode, on avait vu une vidéo de cinématique. Une vidéo de cinématique, ça veut rien dire. Une cinématique, pardon. Une cinématique d'une petite fille qui se faisait tirer dessus. Et puis, on a découvert en fait que c'était un souvenir qu'on avait, puisqu'on incarne cette jeune femme. On venait de perdre notre beau-père, enfin notre papa adoptif. Hein, et donc, on préparait à la morgue. Et puis, on a reçu un coup de téléphone un peu bizarre qui nous disait que cette personne nous informait qu'elle savait qui on était, etc., etc. Et elle nous invitait à venir dans un endroit précis pour découvrir les réponses sur qui nous sommes, sur notre passé, etc. On avait un petit peu fouillé les alentours. C'était une vidéo assez soft. Qui était, hein. Et puis là, en fin de vidéo, on était rentré dans le bâtiment. Donc cette fois-ci, nous allons être dans le bâtiment, les amis. C'est parti.
Et je pense que l'ambiance va être bien différente cette fois-ci. Vous savez, comme on avait pu le voir dans la première partie, on avait pu voir que ce bâtiment était assez habité, que c'était une espèce de pôle énergétique. Voilà, donc on s'était arrêté ici. Souvenez-vous, on avait pris la chaussure qui est par terre, on l'avait examinée et on avait pu entendre des voix, des cris. Je vais quand même la reprendre. Ah, attendez, je ne me rappelle plus des touches. Voilà. Voilà, donc on avait pris cette chaussure. Et forcément, on n'a plus rien d'autre à voir puisque on l'avait fait et je crois qu'il n'y avait rien d'autre à voir. Non. Donc on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Faut que je me remette les touches en tête. Alors, ça me sert à quoi? Ah, ça c'est pour courir. Ok, parfait. Hello? Anyone? Thomas? You there? On vient de trouver un magazine. Ok. Ouais, peut-être quelque chose à voir, non? Ah, je peux le lire. Actualité, information et conseils pratiques pour femmes actuelles. Les puits des ancêtres, un roman inédit signé Johanna. Je prononcerai pas son nom. Courrier des lecteurs, réponse d'experts, 10 astuces de couture pour les jupes tendance. Donc, c'est un magazine de mode, vraisemblablement. Ah. Voyager avec style et confort. Il n'y a rien à voir de particulier. Voyager avec classe. Voyager dans le confort. Ouais, c'est un bus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, un plan. Ça, dans les jeux, c'est toujours utile d'avoir un plan. You are here. Nous sommes la tache rouge. Ça a l'air grand, hein? Alors, 6, c'est le sauna. 7, des rooms. La pièce de jour, la pièce de vie, je pense. Elevator. Ok. Réception. Ben, on est à côté de la réception, c'est parfait. 5, ben, ça va être pas la, pool house. La piscine. Ok. Ah, nous avons un. Ça va être un magazine pour enfants. Le canton, légende polonaise. Ah, en Pologne, voilà, on était en Pologne. Je me souvenais qu'on était dans un pays slave, je ne me rappelle plus lequel. Le dragon de Warwell. Bon, je pense pas que ça doit être une énigme. Bon. Il a l'air d'avoir rien d'autre ici. Non. On va aller voir à la réception. Alors, est-ce que la porte s'ouvre? Non, elle ne s'ouvre pas, celle-ci. C'est quoi qui grésille? Bon, apparemment, il n'y a rien derrière la réception. Ah. Registre de l'hôtel, Whisky Brunon, Smoke Alina, Maurer Victoria, Lazo Boris. Ouais. Ok. Sinners soit maudit. Qui est ce Sinners? La vedette du Bolchoï, Vivienne, station de villégiature ouvrière Niwa. D'accord.
semble pas y avoir grand-chose. Avant d'aller vers la grille, là, on va regarder. On a fait peur. Alors, on a une carte postale. Mon amour, je sais que j'avais promis de passer te voir, mais devine quoi, j'ai une promotion. Eh oui, le nouveau chef d'équipe, c'est moi. Je crois que c'est l'occasion de tourner la page. Un nouveau départ, un nouveau foyer. Pour nous, je veux dire, toi, moi, les enfants. Je sais que ça paraît dingue, mais réfléchis-y. À toi pour toujours, F. Ok. Ah. De beaux moments au bord du lac. J'adore les affiches, ça fait très années 60. Bon, je pense qu'on peut aller vers la grille là. Il y a un truc qui va me sauter dessus, je le sens. Je le sens, je le sens. Visiblement, il y avait quelqu'un de l'autre côté de la grille. Hello? Thomas? Y a quelqu'un à la réception. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. J'ai pas forcément envie d'aller voir qui c'est qui sonne à la réception en fait. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Elle est flippante, la gamine. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been. Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen Marianne? Yes. Would you play with me just for a little while? It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes.
looking, Marianne? I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Bien. Alors, faut que je me rappelle des touches. Ah oui, ça c'était pour voir. Ok. On va essayer de trouver un passage. Donc là, il me faut une clé. Rappelez-vous que dans l'astral, on peut voir des choses ou faire des choses qu'on ne peut pas dans le plan physique. Il n'y a rien derrière le comptoir. Mais là, je peux pas monter les escaliers là. Ah oui. Ah là, on pourrait passer dans le plan astral, mais pas dans le plan physique. Ah oui, attendez, il y avait une... je m'en rappelle plus. Il y avait une touche qui nous permettait de passer que dans l'astral. Ah, ah. Hey. An elevator. Might as well see if it works. Genre, l'ascenseur fonctionne. Elle a dit au deuxième étage, la gamine. Donc on va aller directement au deuxième. I wished I knew her real name. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Let go. Okay. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Okay. Gotta move fast. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Mais... D'accord. Ah, d'accord. Ce qu'on a fait, ça a permis d'ouvrir les portes de l'ascenseur.
À faire quoi? Sais pas ce que je dois faire. Excusez-moi, je fais des expériences en parce que je vois pas. Et je dois voir quoi? Je cache pas que je suis un peu perdu là. L'art du peintre internationalement réputé Richard Tardowski. Pour la première fois à la station Niwa. Ok. Donc visiblement il y avait des artistes. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que c'est pas là. Faut que je monte à l'étage encore. Okay. Now where did she go? Manager office, ok. Meeting room. On va fouiller. Je reviens un peu en arrière parce que comme j'ai couru, j'aurais pas manqué quelque chose. Ah mais je peux. Bah je vais vous. Je peux aller nulle part. Ah, oh, j'aime pas ces couleurs. Ah. What is this? J'aime vraiment pas du tout. Okay. Not getting through here. Okay. I didn't even know I could do that. Ah, une clé. Clé étrange. Oui, ben ça, je te confirme qu'elle est étrange.
Est-ce que du coup je peux ouvrir la porte? On va faire un essai. Est-ce qu'il faut voir quelque chose de précis? Là, je cherche, vous savez, il y a des fissures sur les objets. Je la vois pas là. Je la vois pas. Ah! Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Okay. Looks like the only way. Great. Super. Non, on peut pas sortir. Il faut qu'on passe par le trou. D'accord. What was This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. Un vase. Shit, there are thousands of them. Ah. I'm gonna need more energy to get through. Ok. C'est de là où je viens. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Chère Ursula, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous écris cette lettre au lieu de m'exprimer de vive voix. La raison, hélas, en est effroyablement simple. Je vous écris parce que je suis un lâche. Parce que je n'ai pas eu le cran d'aller vous dire les yeux dans les yeux ce qu'il y a lieu d'être. Parce que je défaille à la seule pensée de briser le cœur d'une personne aussi délicate, aussi frêle. Ursula, ma très chère Ursula. Oula, je suis allée trop vite, pardon. Ces derniers mois m'ont comblé de joie. Savoir que vous êtes là pour moi, sentir notre amitié qui s'épanouit,
Pourtant, nous ne pouvons aller plus loin que ça. L'amitié proche, pure, véritable, ne m'a jamais plu. Comprenez bien qu'il ne m'a jamais été facile d'être aussi proche de quelqu'un. Ma vie et mes épreuves m'ont changé, blessé, d'une façon que vous ne pourriez pas comprendre. Vous méritez une personne capable de vous donner de la tendresse, de partager les bonheurs et les malheurs de la vie. J'aimerais tant être cette personne, mais ce n'est pas le cas. Les mots sont impuissants à exprimer mes regrets, pardon. Car je sais en mon fort intérieur que notre amitié s'arrêtera là. Puissiez-vous me pardonner, votre ami à jamais, RT. Ok, donc ouais, c'est même pas une lettre de rupture, c'est une espèce de lettre pour dire que en fait je t'aime pas, et enfin vous connaissez ce genre de lettre, hein, bla bla bla. Ok. Comme j'ai eu peur. C'est pas pour moi des jeux comme ça. Pas avec ça. C'est étrangement jouissif, d'accord. Bah, on n'a pas les mêmes trucs qui nous procurent satisfaction. Là, il manque. Ah! This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Le tournesol dans le vase. Want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. Care in her voice. Clearly, he was more to her than just another patient. Je sais ce que vous dites, que c'est, pour le moment c'est très confus là tout ce qu'on fait, et oui, je pense que ça doit être voulu pour qu'on se sente un peu perdu.
I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing! There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce bâtiment, il fait perdre la tête aux gens. Il doit y avoir un mal qui habite dedans, quelque chose qui rendrait les gens complètement, complètement fous. Elle est où la pièce avec le vase? Je m'en rappelle plus. Ah là. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Quelqu'un veut un bonbon? Okay. Alors. Donc on va mettre le tournesol. C'est pour traverser les papillons. C'est ça. Je regarde, hein, si des fois il n'y avait pas quelque chose de caché dans un angle. Donc, je suppose qu'il faut passer derrière la porte. Je vais quand même regarder un peu partout. Par acquis de conscience. Non, c'est bon. J'adore ce couloir. Et ça me dit vraiment rien qu'il veuille. Je vais reprendre des forces. Alors. On
laisse pas te passer. Hein. On n'est pas déjà venu là? C'est là où on avait récupéré la clé, non? Sadness? On est venu déjà là. Ne tournerait-on pas en rond? Mais oui, on est venu là. C'est la pièce du téléphone et tout. J'avais pas vu la porte. Et là, on voit des empreintes de pas, mais. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien à récupérer. Je suis un peu perdu, voyez-vous. Est-ce qu'on peut monter là dans l'astral? On ne peut pas aller nulle part, d'accord. Vous le sentez là que je suis perdu un peu? Bon, là on a fouillé, il n'y a rien. Là-bas il y a les papillons, donc on reste pas y aller. Mince, pardon. J'ai pas assez d'énergie. Oh si. Je pensais pas que j'aurais assez d'énergie. C'est un article sur la guerre 1945. D'accord. Manager, hein? Ah. C'est lui qu'on cherche. Marianne. Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just
Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and all... Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Ça devient de plus en plus étrange. C'est presque terminé. Le bâtiment principal dépasse nos attentes. Il ne reste plus qu'à terminer les parties moins évidentes de la station. Cet endroit est vraiment parfait, isolé, paisible, loin de regards indiscrets. C'est ce qui s'appelle se cacher à la vue de tous. Ce n'a pas été une mince affaire pour les persuader de nous laisser rester là. Par chance, je sais être très convaincant en cas de besoin. En fait, je crois que j'ai enfin trouvé. Je vais l'appeler Miwa. Il y a un truc de bizarre, je trouve, quand même, ce bâtiment. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Ça, on a regardé. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Burn marks? Broken glass and... Is that salt? Someone jotted this down recently. 3 heures, levée, ne pas attendre le réveil. Traitement, inspecter le sentier forestier, aller à l'hôtel, faire le tri dans les papiers, avancer dans les recherches, développer les photos si le temps le permet, inspecter le bureau, aller voir elle. Still works. Ah. Someone's been using it. Ça pourrait être utile. Too small to fit a door. Ça se doit ouvrir un coffre, un truc comme ça. Vous avez vu là, en tour, on dirait un cercle de sel. Donc il cherchait à se protéger de quelque chose. Ah. Il y a quelque chose avec l'horloge. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place.
J'ai pas regardé ma vision. Ah, regardez. Figures. There's gotta be a way to power it up. Ok. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Alors, la pendule cache quelque chose. Non, on va regarder ça. Ah, la petite clé. There we go. That's as far as it goes. Ah, vous avez vu, si je tourne les horloges, ça tourne l'angle de la pièce. There. An imprint. Is that Thomas? There. Looks like a passage. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Looks like I'm in for another dive. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Ça, j'ai bien vu qu'il y avait ça, mais okay, faut que j'en fasse quoi cette affaire? Non, je suis pas perdu, je sais exactement ce que je fais, où est-ce que je vais. C'est juste que là, j'ai pas encore l'idée. Bon, je pense que clairement, il fallait là-dedans. Le problème, c'est que il y a rien en fait. Vous le sentez que je bloque, que j'ai pas d'idée. Parce que ça, ça semble pas être un puits. Ah mais je peux plus sortir.
Ah, on peut plus sortir. D'accord. Donc forcément, la solution, elle est là, quoi. Absorb some of that energy. Back. Okay. I'm so lost without you. I don't know if I can do this. Enough. Get it together. Donc maintenant, on va remettre les pendules, enfin les aiguilles. Oh, gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. See if it worked. Okay. Let's get the rest of me in there. Voilà. I'll never get used to this. Je n'y serai jamais, oui, non, moi non plus. Nope. Nope. Doesn't work. Le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Alors le Maleus Maleficarum, il s'agit d'un livre que l'Inquisition avait rédigé sur comment traquer et démasquer en fait les sorcières. Et ce livre, c'est un livre qui est en gros un livre de, sur comment torturer une sorcière, mille et une façons fort amusantes et charmantes. Hope he's not using it as a textbook. Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ah, je connais mes classiques quand même. Donc il y a une histoire de rituel et de sorcellerie. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Voilà, je sens que le mec c'est une espèce de pseudo-inquisiteur. I could sense something stirring behind that symbol, like a gust of wind moving a curtain. Il sort en force. Je le sens qui s'insinue, qui envahit mon esprit. Et il veut sortir et il ne doit pas sortir. Je refuse de le laisser faire et au pire, je vais trouver un autre moyen. Ça m'a pas l'air bien propre, cette histoire. Parce que là, on a clairement affaire à un cercle d'invocation. Et on dirait presque un pentacle planétaire, en fait. Ça me fait penser à un pentacle planétaire ou ça peut être un sceau judaïque. Ce type de sceau, on les retrouve dans les clavicules de Salomon. Donc le mec, il s'amuse à conjurer des forces, des trucs qui sont pas très clean. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Ah, ça recommence, faut faire des photos. Ne pas oublier la lumière rouge, 5 secondes d'éclairage, 3 secondes dans chaque bain.
Okay. I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Looks like there's a train missing. Ouais, il manque un bain, mais il manque les produits, il manque tout. Alors, attends, faut qu'on trouve des bains là. That's one. 2 more to go. Ok, donc ça c'est le fixateur. This should come in handy. Okay, that's all of them. Okay. Alors attends, c'était moins compliqué la première fois qu'on avait fait les photos là. Bon, on va essayer. On va essayer, on va essayer. On va mettre le multigrade là-dedans. On va mettre le fixateur là. Et pour stopper. Donc, on va mettre la photo. 5 secondes. 4, 5. Trois secondes par bain, c'était. 2, 3. Shit, I messed it up. Need to dip it in the right order. C'est trompé. C'est pas grave, on va refaire. 1, 2, 3, 4, 5. On a réussi. C'est nous. What the hell? Who's there? Ah, elle est glauque cette photo. Hello? Are you all right? Vous allez bien, oui. Don't look at me! Ah!
won't go! Oh, God. Don't leave me here. Alone! Naked! Shinbaitis. Let me try you on. Oh, God. No! Don't worry. You're just fine. Ah, mais en fait, je suis mort. En fait, j'ai mouru. Ok. Wait! Don't go! Oh, God. Don't leave me here. Hello? Il fait super flipper quoi. Il est super dur en plus. Pourtant, il faut juste courir. Il me fait trop flipper. Wait! Don't go! Oh God! Don't leave me here! Hello! Oh, God, no! Don't worry, you'll be just fine. I'm gonna get you out of here. We won't see you ever again! Everything, it all ends in me! Not a fan of light, huh? Fucking figures. Elle m'a fait grave flipper. Faut que je cours encore ou c'est safe là? C'est pas fini. Stress.
Pourquoi j'ai couru? J'aurais pas dû courir. Eh, franchement, il me stresse, mais... mais sérieusement. Oh, faut tout refaire. Bon, on ne court pas. On y va tout doucement. Il va me voir. It all ends in me. Bon, les amis, vous savez quoi, là, ce passage, il a l'air vraiment difficile. Je vais le passer hors caméra. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on se retrouvera pour la troisième partie. Parce que là, je comprends déjà pas comment il avance, comment se cacher, tout ça. Donc, je vais vous laisser sur ce monstre. Et on se retrouve très vite dans la partie 3. Je vais voir, je vais essayer de continuer, enfin, de le faire hors caméra. Pour qu'on essaye d'avancer, parce que là je pense que je vais mourir un paquet de fois. Sur ce, j'espère que cette deuxième partie vous aura fait plaisir. Il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de peur cette fois-ci. Surtout là, le monstre, je m'y attendais absolument pas. Je pensais que c'était un jeu qui était à peu près safe, où il y aurait juste un peu de frayeur, et pas ça. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite pour la partie 3. Prenez bien soin de vous.